Un produit qui permet d'humidifier l'air. Eh bien, c'est possible. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te présenter un humidificateur d'air. Il s'agit du LW45 Confort Plus de la marque Venta. Concernant cette marque, elle se lance actuellement sur le marché français. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit d'une entreprise allemande qui est spécialisée dans ce domaine et qui a un peu plus de 40 ans d'expérience, ce qui est plutôt lourd. Cette machine est vraiment très intéressante puisqu'elle ne va pas utiliser de filtre. En fait, ça va fonctionner avec de l'eau, donc pas besoin d'acheter de filtre. Donc c'est vrai que c'est un point aussi qui est très important et que je vais t'expliquer tout de suite. En fait, l'air sale de la pièce est aspiré par le haut de l'appareil et passe dans deux cylindres rotatifs. Les saletés et les impuretés ils deviennent lourdes et vont couler au fond du boîtier. Et en gros, seul l'air purifié et humidifié est évaporé et éjecté vers l'extérieur. Ce produit permet de réduire les risques comme l'asthme, le rhume, les maux de gorge, la peau sèche, les allergies, la pollution atmosphérique. Aujourd'hui, on recommande, quand on est dans un appartement ou dans une maison, d'être dans une température, c'est ce qu'on verra avec la phase test bien entendu, dans une température ambiante de 20 degrés et avoir un taux d'humidité entre 40 et 60%. Ce produit va donc te concerner ta famille, mais aussi il faut penser aux animaux de compagnie. C'est vrai que c'est relativement bien d'être entre 40 et 60%, comme je te l'ai dit, d'humidité dans ton appartement ou ta maison. Bref, j'arrête de blablater et c'est parti pour les caractéristiques. C'est important, mais il s'agit d'un produit haut de gamme et qui est vraiment simple d'utilisation avec une interface vraiment très très simple. On a donc trois niveaux de puissance. Le premier, il est très silencieux. Le deuxième et le troisième, forcément, ils vont être un peu plus bruyants. Alors, pour te donner un petit peu, on va dire, au niveau du bruit sonore, le premier niveau, donc le plus silencieux, c'est 24 décibels. Globalement, t'entends vraiment rien. Après, tu vas passer avec le deuxième niveau à 35 décibels. Et le troisième niveau, tu seras donc à 45 décibels. Après, si tu mets, imaginons, la télé, si tu mets un petit peu de bruit dans le salon ou dans ta chambre, eh bien, en fait, tu vas quasiment pas entendre la machine. Petite information supplémentaire, mais grâce au disque VanWave, donc construit à l'image de la nature, à l'instar des stomates, sur la face inférieure des feuilles, des milliers de petits orifices permettent l'évaporation d'un nombre de molécules d'eau bien plus important qu'à temps égal sur une surface plane. C'est pour ça que, comme on peut le voir, en fait, on peut voir tous ces petits orifices et c'est vrai que ça a été conçu en tout cas pour une meilleure efficacité. Il s'agit d'une fabrication allemande, durable et responsable. Je te conseille personnellement de laisser toujours allumer l'appareil. Alors déjà aussi parce que ça ne consomme pas beaucoup, mais aussi pour avoir, on va dire, un résultat optimal, eh bien c'est de laisser de manière continue. Il va donc humidifier ta pièce, mais aussi laver ta pièce, puisqu'il s'agit d'un laveur d'air, c'est-à-dire qui assainit et qui nettoie au final la pièce. On verra ça durant la phase test où on aura tous ces dépôts de saleté qui se situeront donc au fond du bac. Pareil, imaginons la nuit, tu vas tout simplement laisser en mode sleep. Et ce qu'il faut savoir, c'est d'ailleurs les premières semaines, dans ton appartement ou dans ta maison, en fait, les meubles, les plantes, les objets qui t'entourent ont aussi besoin d'humidité. Ça peut paraître fou, mais en fait, ils vont absorber l'eau au début aussi. Donc, c'est quelque chose d'assez important. Et puis, je te conseille vraiment de l'utiliser. C'est vraiment un produit, comme je te l'ai dit, sur le long terme. Permet d'humidifier des pièces atteignant 75 mètres carrés et lave l'air de la pièce jusqu'à 40 mètres carrés. Et plutôt cool, c'est que cela ne nécessite pas un grand entretien. Donc, ça, c'est vraiment bien. Alors, par moment, il faudra rajouter de l'eau, voire remplacer l'eau complètement. Et rarement, en fait, quelques fois par an, il faudra mettre le petit liquide que j'ai mis qui permet en fait de nettoyer la machine. Voilà, mais sinon, c'est tout. Il n'y a rien à faire avec la machine. Ça permet donc d'augmenter ou de diminuer l'humidité, de mettre en mode auto, donc le mode automatique. Imaginons, je souhaite qu'il aille jusqu'à 55, voire 60% d'humidité dans la pièce. Et bien, hop, le mode auto, il va faire en sorte de aller à peu près 55-60% d'auto d'humidité. Donc ça aussi, c'est une bonne chose. Et forcément, si jamais tu vas aller dormir, tu peux le mettre en mode sleep ou bien éteindre complètement l'appareil. On se retrouve tout de suite pour la phase test. C'est parti pour la phase test du LW45 Confort Plus.
donc de la marque Venta. Je trouve ici qu'il rentre plutôt bien dans mon salon. Ici j'ai 28%, donc c'est pas terrible, et donc c'est pour ça que ce produit convient parfaitement, puisqu'il va aussi humidifier la pièce. Et donc comme on peut le voir, on en a besoin. Donc alors là, ce que je vais faire, c'est je vais l'allumer. Ici donc il me montre qu'il est en mode auto pour aller jusqu'à 55% d'humidité. Alors je peux donc programmer en fait un peu, lui demander, je souhaite en fait que tu que tu sois à 60% d'humidité ou à 50% ou à 40% d'humidité. Donc en fait je vais modifier le mode auto. Donc je reste appuyé sur le mode auto, ça commence à clignoter, et là je vais pouvoir régler 5 par 5%, tout simplement le niveau que je souhaite. Voilà, je peux mettre 70% d'humidité si je souhaite. Je peux pas aller plus haut, après autant rester entre 40 et 60%. Donc moi j'ai laissé à 55%, j'appuie longuement sur auto, hop, ça valide. Et puis là je suis en mode auto, donc là il est en puissance maximale. Alors honnêtement, si je recule un peu plus, eh bien on va pas trop entendre. Suffit d'avoir la télé et tout allumé, franchement on n'entend pas grand chose. Ou si j'ai une machine qui tourne et tout, on n'entend quasiment rien. Donc ça c'est pas gênant. Après je peux bien entendu baisser la puissance. Donc hop, le faire passer en 2. Donc on n'entend déjà pas grand chose. Ou le refaire passer en 1. Et là, on n'entend absolument rien. Alors là, vraiment, pour te montrer un petit peu son efficacité, ce que je vais faire, c'est que je vais rebasculer en mode auto. Il va se remettre à fond, forcément, parce que je lui demande 55% et qu'actuellement, il y a à peu près 30% dans la pièce. Et on va voir un peu son efficacité, sachant qu'il est 10h37. Nous sommes donc à environ 40 minutes après. Et comme on peut le voir, donc avec le thermomètre, on est à 37% d'humidité. Donc ça a bien monté. Et on a la flèche vers le haut qui signifie en fait que l'humidité est en augmentation. Et bien forcément, c'est bien le cas puisque j'utilise ici donc la machine. Et elle est à fond d'ailleurs. Donc ici m'indique 34, 35. Après ça va dépendre bien entendu de là où se situe le thermomètre et tout. Voilà, 35 on est passé. C'est vrai que c'est assez intéressant. Alors c'est vrai que même moi en fait, là pour le test, j'ai bien entendu dû éteindre la machine, attendre que tout simplement l'humidité revienne à l'humidité de ce que j'ai actuellement normalement sans machine. Mais quand j'utilise tous les jours, en fait ça fait un peu une sorte de fraîcheur. Je me sens en fait, je sais pas, ça fait un peu plus frais quand je suis par exemple à l'étage et tout. Je sens que c'est pas exactement la même air quand je descends. Vraiment c'est un peu plus agréable. Voilà, c'est mon ressenti. Ça peut paraître bizarre, j'en ai parlé avec ma copine qui elle aussi valide, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise tous les jours la machine, hein, qu'on l'éteint quasiment jamais. Donc c'est vrai que c'est assez sympa aussi ce fonctionnement avec avec l'eau qui évite d'avoir des filtres. Je vais aussi te montrer son efficacité, on va dire visuellement parlant, puisque je vais donc enlever, alors là c'est sur un jour, comme ça au moins vous avez les informations. Donc j'enlève, hop, le petit bac. Alors avec une main, bon c'est toujours possible, mais c'est préférable avec deux mains. Donc ici je vais enlever ça, donc comme on peut le voir c'est hyper facile. Et en fait, je sais pas, je pense, ouais, vous allez le voir, c'est impressionnant, mais regardez-moi les saletés en une seule journée qui se situe donc au fond de l'eau, comme je l'ai bien indiqué. Comme on peut le voir là, l'eau est légèrement aussi descendue puisque j'ai ma petite ligne à ne pas dépasser. Et voilà, suffit après bien entendu de nettoyer le fond et puis de remettre de l'eau propre. Mais regarde-moi ça. Au moins, on voit que ça fonctionne bien. Bon, en tout cas, je suis vraiment très content de pouvoir te présenter ce produit de la marque Venta aujourd'hui, le LW45 Comfort Plus. Vraiment un produit haut de gamme. Et moi, ça me fait super plaisir parce que c'est la première fois que je teste un produit comme ça un petit peu sur le long terme. Et je vois déjà vraiment une différence. Une différence surtout avec le taux d'humidité. D'ailleurs, je ne savais même pas qu'il est recommandé déjà d'être dans une température d'environ 20 degrés dans la pièce. Mais surtout d'avoir un taux d'humidité entre 40 et 60%. Moi, j'ai constaté qu'à 50-55%, je me sentais bien mieux.
mieux. Et quand je change de pièce, bah maintenant je le sens en fait vraiment, en tout cas ici, l'intérêt d'avoir une machine comme ça. Bien entendu, c'est sur le long terme. Voilà, on va utiliser la machine sur le long terme. Ça nécessite aussi pas beaucoup d'entretien, donc ça c'est vraiment bien. Imaginons si tu souhaites vraiment utiliser l'humidificateur, bah tous les 2-3 jours, il faudra rajouter un petit peu d'eau. Il y a le mode automatique, donc globalement quasiment aussi rien à faire. On va juste lui dire, bah voilà, je souhaite que tu restes à peu près à 50-55%, imaginons, en taux d'humidité. Il le fait et voilà. Ça, franchement, je trouve que c'est une bonne chose. Concernant son prix, le LW45 Comfort Plus est actuellement à 399 € pour la couleur noire et 379 € pour la couleur blanche. Ce qui est plutôt intéressant de ce qu'on retrouve d'ailleurs sur le marché. Donc, bien entendu, je te mets les liens Amazon dans la description de la vidéo. On va aussi retrouver à côté le LW45 Original qui lui est à 319 €. Donc là, il y a un changement de gamme entre l'Original et le Comfort Plus. Et on peut retrouver aussi des versions plus entrée de gamme comme le LW25 qui est à 169,99 € ou alors le LW15 qui est à seulement environ 335 €. Bien entendu, cela va dépendre de la couleur que tu vas choisir et aussi bien entendu cela va dépendre aussi de tes besoins. Est-ce que tu as une grande pièce à humidifier ou pas, ou alors est-ce que c'est une petite chambre ou alors un grand salon? Donc là, bien entendu, tu prendras le produit qui te correspondra le mieux. N'hésite vraiment pas aussi à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires. Si jamais aussi tu as un produit de ce style là ou si tu as un produit aussi bien entendu de la marque Venta, si tu es content ou pas, lequel aussi produit tu as. Donc moi ça m'intéresse énormément et bien sûr je réponds à tout le monde. Bon, merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer.